aujourd'hui on va devenir des masters en Lego en regardant les constructions Lego les plus dingues jamais réalisées et les animations les plus waouh. Donc pose ça tranquillement, sors-toi un truc à boire et bienvenue dans les meilleures créations Lego d'internet. On commence directement. Oh, stylé le requin. Mec, c'est incroyable, on a The Rock en Lego. On a un squelette de dragon. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Je sens que ça va être une masterclass. Ok, c'est quoi ça? C'est un skieur. Ah, ça fait un peu comme une platine vinyle. Oh. Et là, il crée toute une piste. En fait, il fait tout en mécanisme. Mais non. Wesh. Attends, mais là, il nous fait quoi? Il fait un ordinateur. Le gars, tu lui donnes une allumette, il te crée le nouvel iPhone. Waouh. Hmm. Comment il va faire pour remonter? Oh, c'est super ingénieux. Mais attends, mais il y a un Yeti. C'est le Yeti Zinox Tag. Et voilà, il a créé un système automatique. Non mais c'est trop incroyable. Alors ceux qui disent, ouais Rayton, t'abuses, bah va le faire, vas-y, je te regarde. Vas-y, j'ai deux yeux, c'est pour te regarder deux fois. C'est trop mignon. Trop stylé. En plus, il y a un petit slalom, hein. Ok. Attends, là, il va continuer? Non, c'est pas la piste de ski, ça. C'est quoi? Une piste de luche, peut-être? Waouh. Là, il est en train de créer un moteur. Je savais même pas qu'on pouvait faire tout ça avec des Lego, c'est trop bien. Je vais dormir mon cou. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ouais. Ouais, moi, tout ça, ça me semble bon. C'est beau, mais je le retiens. Et c'est fonctionnel. Il y a un petit crabe. Il y a un crabe. C'est trop stylé. Déjà, les requins, c'est stylé. Mais les Lego requins, incroyable. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté mécanisme. Parce que tout le monde sait faire des Lego, mais personne sait faire de mécanisme dans mon entourage. Ça, les gars, c'est trop bien. Je le veux dans ma chambre. Je paye, hein. Je suis prêt à payer jusqu'à 500 euros pour ça. En plus, il a des dents, il fait bien peur. Oh là là. Je te jure, ce requin-là me fait plus peur que des requins avec qui j'ai vraiment nagé dans la vraie vie. C'est quoi ça? The Rock, mi-Lego, mi-rocher, du coup. C'est un peu glauque. On dirait, tu sais, une œuvre d'art ininterprétable dans des musées un peu bizarres, tu vois. Les pieds. Putain, mais c'est pas des pieds, frère, c'est des palmes. On dirait un enfant. On dirait un enfant dans un corps d'adulte. Je sais pas ce que je dois dire. Je savais même pas que The Rock il avait un cou aussi long, frère. On dirait un caméléon. Ah ouais. Baraqué. On dirait aussi un nain. Je sais pas, en fait, c'est The Rock version nain Lego. Je sais pas, moi, il me fait un peu peur, je vous mens pas. C'est clairement une statue qui pourrait prendre vie et pendant la nuit te dire les meilleures répliques de The Rock dans ses plus grands films, comme Jumanji. Ce serait trop bizarre. Oh. Ah ouais. Ça fait du petit poulet frit en mode KFC, les gars. De toute façon, tout est bon dans le poulet. Le blanc de poulet, le poulet de poulet, le poulet frit, le poulet Colombo, le poulet caramélisé. C'est quoi ça? Oh, c'est un petit château. Alors là, les gars, on est trop kawaii. C'est trop stylé avec les lumières. Moi, je kiffe quand ils mettent des lumières dans les Lego. C'est un petit sapin de Noël. Ah ouais. Ah ouais, donc déjà, ça prouve que les Lego, c'est clairement pas que pour les mecs, hein, contrairement à ce que certains pensent. Et ça prouve aussi que c'est trop kawaii. Ah, ça tourne automatiquement. Ouais. Impressionnez-moi. Bonne chance. Là, je me mets en mode Rayton, impossible de m'impressionner. Vous y arriverez pas. Ok, il crée un moteur. Ouais. Eh? C'est un cœur? Ah, il crée un cœur qui bat, c'est ça? Si c'est ça, vous devez tous vous abonner à ma chaîne. Je crois que vous allez vous abonner. Oh, c'est trop stylé avec le petit battement, ce qui est un micro décalage. Ah, c'est la vague d'Okuzai. Ouais, mais ça, vas-y, c'est un set Lego qui existe déjà. Mais c'est stylé parce que, en fait, c'est un mix entre un Lego et un puzzle. C'est joli de ouf. Et c'est cher, par contre. Hein. Et les Lego, ils sont très malins. Dès qu'ils font des trucs pour les adultes, ils mettent la boîte en noir et ils disent « C'est pour les adultes !» Du coup, ça coûte 400 euros. Alors qu'il n'y a même pas 10 briques à l'intérieur. Je jure que le Lego game pour adultes est une arnaque. Mais bon, c'est mon avis. Vive les Lego. Un train Lego qui passe à travers la maison. Donc là, il est au-dessus de la piscine. Oh, il se fait doubler. Oh, il y a une course-poursuite de train qui est en train de se créer. Waouh. Je te jure, alors, en dehors du fait que le gars a beaucoup trop de temps et doit sûrement être au big chômage en big 2024,
Moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Avec les trains qui passent, les chemins de fer, les différentes gares, passer sous le plongeoir. Déjà, le gars a un plongeoir, donc c'est forcément un mec un peu stylé. Franchement, c'est incroyable. Par contre, il a un vrai budget Lego. Hein. Les gars, le budget, il est incroyable. Parce que vous savez, ça coûte cher, les rails. Hein. Ça coûte cher. Et ça s'arrête jamais, wesh. Il y a un parc d'attractions. Mais attends, même le parc d'attractions, je veux le voir. Je suis déçu, on n'a pas tout vu. Mais c'était très stylé. Je veux prendre ce train. Je ne frauderai pas pour une fois. C'est quoi ça? Oh! Un petit mécanisme. Là, par contre, je sais pas ce qu'il va faire avec. Ouais. Eh? Ah, ça craque comme une cracotte. Attendez, là, je sens qu'il y a un truc qui se prépare. Je suis pas prêt. Oh, c'est pour le dragon! Un dragon albinos! On dirait un peu un dragon très teubé quand même. On dirait, vous voyez les chiens saucisses là? On dirait pas un chien saucisse qui se déplace? Le dragon. Là, c'est un dragon. Mais j'ai trouvé ça drôle. C'est quoi ça? Attends, c'est un objet qui construit automatiquement des voitures en Lego? C'est pas possible. C'est en 3D. Eh? Oh ouais! Avec la peinture et tout, hein. Et elle drift, carrément. Bon, je pense que c'est fait en 3D, mais c'est très stylé. Ah! En fait, c'est pour créer son propre set Lego. C'est un générateur de set Lego. Et après, tu l'as là. Mais c'est incroyable! Attendez, pour les fans de voitures, c'est dingue. Tu crées ta petite custom et tout, et après, tu peux vraiment le monter. La magie de Lego, ok? Ah, ça, je connais, c'est incroyable. En gros, j'ai une pote, elle fait ça. C'est très stylé. En plus, ça te dit où sont les pièces. Je vous explique. Vous prenez un bac de Lego, vous le balancez, et il y a plein de pièces éparpillées. Vous savez pas quoi faire de vos pièces. Vous installez l'application Lego, et ça va scanner et vous dire toutes les constructions que vous pouvez faire à l'aide de vos pièces. Vous imaginez pas comment c'est trop smart, c'est trop intelligent, et en plus, c'est des constructions vraiment sympas. Oh là là. Il a créé son petit jukebox. Non, mais c'est trop bien, les gars. Ça évite le gaspillage, en fait, ça qui est cool. Lego, c'est pas totalement des rats, tu vois. Ah, il peint ses Lego? Eh? Alors ça, c'est créatif. Si vous me connaissez pas, j'ai travaillé dans l'art pendant super longtemps et je suis encore un artiste, je fais de la musique. Mais là, c'est vraiment de l'art. Avoir autant d'idées, ça c'est de la technique. C'est excellent. 10 sur 10. Ma vidéo préférée pour l'instant, c'est celle-là. Juste pour la technique. C'est super intéressant ce qu'il a fait. Hein. Ça donne ce côté naturel et pas naturel en même temps et authentique. Ok. Lui, il nettoie ses Lego. Et qu'est-ce qu'il fait? Enfin, elle plutôt, je crois. Ouais. Ah, elle crée des cadres pour les têtes, pour pas qu'elles s'abîment. Ça, les gars, avoir des Lego un peu rares, c'est trop un coup. Il y a ton petit cousin, là, que t'as jamais vu, qui débarque chez toi, il commence à jouer avec, il les casse, t'as envie de lui péter les dents. Mais d'un autre côté, c'est ton cousin, t'as rien le droit de faire. Ça arrive. Moi, je vous jure, hein, si quelqu'un de ma famille ouvre mes boosters les plus rares de cartes Pokémon, ah, j'ai bon sommeur. Ah, mais oui. Oh non, c'est trop beau. J'adore, ça fait vraiment collection, là. Ça fait riche. Tu sens que le Lego, il vaut 200 balles. Oh! Oh, je l'attendais celui-là, les gars, c'est la maison dans là-haut. Mais version Lego. Attends, mais il existe vraiment? Mais il existe vraiment! Oh, je vais fondre! Avec 54 euros, hein. Pour un Lego, c'est pas cher. Pour un Lego. Ah, regardez, il y a le chien. Le chien, là, c'est le meilleur personnage de tout le truc. T'as le vieux et le gosse. Oh, c'est trop mignon. Je vous jure, moi, j'ai un petit cœur, hein, là, je fonds. Je savais même pas que c'était sorti, frère. Il sort tellement de Lego, tu peux pas savoir, en fait. Donc, dedans, t'as la chambre, t'as le lit. Et surtout, t'as les ballons. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux au niveau des ballons. Mais trop mignon. Ouais, ouais, avec le petit film derrière. Un des meilleurs films, d'ailleurs, hein, que j'ai vu dans ma vie. C'est quoi, ça? Est-ce que ça va être Stylax? Est-ce que ça va être Stylax dans le Pyjamax? Je sais pas ce qu'elle fait. Oh, c'est une télé, ok, ouais, télé, pot de fleurs. Est-ce que la personne est en train d'essayer de recréer sa maison? Il y a une PS5, manette de PlayStation, beaucoup d'imagination. Ok, c'est un petit set. Là, c'est quoi? Ok, là, déjà, c'est un personnage pour sûr. Un personnage bleu. Est-ce que ça peut être Sonic? Faut deviner, les gars, le personnage. Est-ce que ça peut être Sonic? Peut-être que c'est un personnage qui n'existe pas, genre un robot. Oh non! Non, je pense que je sais. C'est un schtroumpf! Oui! C'est ça! Me dites pas que c'est pas ça, c'est un schtroumpf, non? Est-ce que c'est le schtroumpf grognon? Ouais, ça ressemble à un chat. Ouais, ça, c'est un schtroumpf!
Ah non, c'est le Smurf Cat. C'est le Smurf Cat, les gars. Et apparemment, ce Lego a été créé par un professeur de maths. Voilà, on balance des informations d'un chapeau. Enfin, d'un bonnet, plutôt, là. Il est stylé. Je l'avais vu sur TikTok, mais je me rappelle plus de comment ça s'appelait. Ça avait fait le buzz à un moment. Ok. Alors là, si c'est pas un Lego Barbie pour une Barbie, je comprends pas. Si c'est pas Barbie qui monte le Lego... Gros, ça pue le rose. Ah, il faut aimer, hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un Lego, ça? Hein? Ah oui, c'est un livre Lego avec des marque-pages faits en briques. Et un stylo dedans. Ah ouais! Alors, c'est carrément inutile, mais si vous aimez le rose, foncez. C'est quoi, ça? Ça me donne envie de gratter, là. Je suis tripophobe, les gars, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Ça, c'est une voiture, mais que j'aurais tellement pas dit. J'aurais tellement pas dit, les gars, mais de loin. Tu vois, ça, par exemple, c'est artistique. Tu peux rien dire. Ceux qui disent les Lego, c'est pour les enfants, c'est des guignols. Il y a 7500 pièces. Ok. Encore un petit mécanisme, ça, j'aime bien. C'est des trucs que je sais pas faire, mais que j'aime bien regarder. Un petit fantôme, ok. Et il le rajoute dans un cimetière. Avec un petit thème aurore pour Halloween. Ouais, moi ça me paraît crédible. Ah ouais, genre il sort de terre. Stylé. Tu peux rien dire. Les cimetières c'est angoissant, mais... Oh non, c'est stylé de ouf. En plus, il y a que des pièces rares pour ceux qui savent. Oh, il se replie! Non mais attendez, mais non. Là c'est un autre niveau de Lego, ça. Attends, parce que tout ça, là déjà, c'est stylé. Mais regardez, là, il rajoute des croque-morts et tout, c'est incroyable. Et là, vous allez me dire que tout ça, tu peux le replier dans un livre. Mais ah, désolé, monsieur. Désolé. Attends, je vérifie si je rêve pas. Je rêve pas. Ah ouais, non. Ça, c'est mon nouveau Lego préféré de la vidéo. D'ailleurs, écrivez le vôtre en commentaire. Ça, les gars, c'est des Lego céréales, mais c'est sorti que dans un pays, donc on les aura jamais en France, déjà. Mais c'est stylé, c'est un peu marrant. C'est un peu cannibale, quand même. Ok, là, c'est un cœur. On est reparti dans les trucs girly. Kawaii. J'aime bien. Alors, du coup, c'est quoi? Ouais, c'est un cœur. Dedans, elle met des pièces de Lego. C'est très rare, ça, comme objet. Ouais, c'est un peu un gâteau. Ouais. Ouais, moi, je le trouve éclaté. Comparé à tous ceux d'avant, c'est éclaté. Comparé à lui, là. Gros, il a créé un masque en Lego. On dirait Venom. Je sais pas quel personnage c'est. Est-ce que vous savez en commentaire? Mais il est trop stylé avec les dents et tout. J'adore. C'est un masque, hein, les gars. Ça tient, hein, c'est solide. Ça va être super fragile. Oh. Petite ville Lego. Vous avez vu toutes les dalles par terre? Je suis fasciné. J'adore les dalles. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos Lego, parce qu'on en a fait plein sur la chaîne maintenant, là j'ai mon petit palmarès, oui j'avoue. Ce que j'adore, c'est quand il y a des lumières dans les villes. Ça donne ce côté tellement réaliste à la chose. Regardez. Là il y a une boulangerie, une tarte. Ce genre de vidéo, je trouve que ça donne trop le sourire, tu sais. Je te dis, il y a trop de gens talentueux dans le monde. J'ai pris un accent pour vous dire que je suis sérieux. Ok, là c'est quoi? Donc t'ouvres à l'intérieur et il y a une plage de Lego secrète. Attends, mais l'eau, elle a l'air tellement réaliste, j'ai envie de la toucher. Je parle de l'eau, hein. Calmez-vous. Ok. Et là, du coup, t'as autre chose? Ah, un match de basket! NBA! Mais en fait, c'est ouf qu'ils soient tous arrêtés et tout au bon endroit. C'est quoi cet endroit? Ça va être dans un musée, ça, non? Un cinéma, un concert. Avec un vrai groupe qui joue, hein. Il y a une fosse et tout, mais c'est trop bien fait. Montez pas, si vous n'êtes pas impressionnés, les gars, vous avez aucun goût. Ok, elle est en train de créer un sac à main Lego. Ouais. Ça, je comprends. Et elle met ses petits personnages au mur. Et du coup, ça permet de brancher son tel. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus quelle marque, je crois que c'était Lacoste. Ils avaient fait des chaussures Lego, où tu pouvais customiser les côtés de la chaussure en mettant des briques de Lego. C'est trop original. Comme ça, même si tout le monde a la même paire, personne n'a la même chaussure. Y'a quoi d'autre? Oh, le mec, il flex. Un range-clé en Lego. Comme quoi, il y a beaucoup de choses dans votre maison que vous pouvez construire en Lego, hein. C'est quoi, ça? Eh? C'est un bateau! Je pense que c'est un bateau! Ouais, c'est carrément un bateau. Je pense que même, je vais aller un peu plus loin, je pense que c'est un Draktar. Les bateaux, genre des Vikings et tout, là. Ouais, il y a des pingouins. Ah non, peut-être que c'est l'Arche de Noé! Et un dinosaure. Bon, j'avoue que là, je suis un peu perdu. Mais il y a plein d'animaux, et du coup, ça fait un peu l'Arche de Noé. Je pense que c'est l'arche. En gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est... C'était un moment avec une inondation géante. Et il y a un mec, il a pris tous les animaux pour les faire survivre et les a mis dans un bateau jusqu'à ce que l'eau redescende pour repeupler la terre. Je crois que c'était ça. Et là, du coup, le bateau, il flotte. Il est fonctionnel. Ouais, c'est ça, c'est l'arche de Noé. Bon, il y a quand même une petite incrustation d'eau. Mais ça a l'air fonctionnel.
Franchement, il est incroyable son Lego, il est immense. Oh! Satisfaisant, madame. Je te jure, j'ai envie de le manger alors que je sais que ça va me briser les dents. La tomate. Il y a des gens qui détestent les tomates, je comprends pas. Les tomates, c'est genre le meilleur fruit. Ouais. Petit fromage. En fait, on dirait on est au Subway et on est en train de faire un sandwich pour ceux qui voient de quoi je parle. Salade, tomate, oignon, chef. Ok, ça je pense que c'est un cornichon. Cornichon ou oignon, je sais pas. Et à la fin, tu mets ton pain. Et ça te coûte bien 15 balles. Ouais, je le dis, le Subway, c'est cher. Ok, c'est une plante piranha. Mais elle est méga fonctionnelle, vous avez vu comment elle est lisse et tout? Mais attends, mais ça, c'est une vraie qui est vraiment sortie, non? Lego plante piranha. Ah ouais, elle est sortie, 60 euros. Regardez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, regardez. Pour les adultes, ils ont juste passé le truc en noir et ils disent c'est des adultes. Mais lui, en gros, là, il va créer un mécanisme qui est pas dans le Lego original. Ça veut dire qu'il améliore un Lego qui est déjà existant. Et ça, c'est stylé. Wow! Vous avez entendu mon coup? Il a craqué, comme les briques de Lego. Oh. Ok, bon, elle bouge pas beaucoup, mais elle est stylée. Ah, peut-être qu'il a une idée. Il va créer un autre système. Avec un fil? Ah, c'est pour qu'elle ouvre la bouche. Ok, non, là, j'avoue, c'est stylé. Là, on se croirait dans Mario. Et là, il rajoute son petit moteur pour que ça tourne en boucle. Ces mecs-là, c'est des ingénieurs. J'espère qu'il y a un concours. Oh, venez un jour, on fait ça. Je fais une vidéo, je vais dans le plus grand concours du monde de Lego et je participe. Mais c'est trop bien. Attendez, faut que je note. Je crois que j'ai un concept. Vous imaginez, je gagne. Ok, la plante piranha, c'est validé. Mais c'est pas pour l'instant le build qui m'a fait dire waouh. C'est quoi ça? Mais non. Le seul clavier mécanique que j'accepte. Un clavier Lego. Putain, mais toutes les touches, elles sont customisables. Mais il est fonctionnel? Il fonctionne. Vous allez me faire croire que ça, ça fonctionne. Et le gars, il crée son petit design de plage à côté. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le clavier le plus stylé du monde ou... Mais je suis tellement un enfant, les gars. Moi, je suis heureux de cette vidéo-là. Je m'amuse. C'est quoi, ça? Ah, il fait des pièces géantes en Lego en imprimante 3D. Et du coup, il va faire un vrai arbre en taille géante, du coup. Mmh. Ah, j'adore, c'est tellement satisfaisant les petits craquements là. En vrai, les imprimantes 3D, c'est carrément stylé. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il les colle. Oh, il en fait un Guy. C'est comme ça que ça s'appelle, les gars. Trop mignon. Sa femme, elle doit être tellement contente d'avoir un homme comme ça. Un homme capable, il est obligé de savoir faire des Legos. Ok. Ouais. Là, je sais pas ce qu'il est en train de créer, hein. Ça a l'air fragile. Ouais. Le Rayton est perdu, là. Ouais. Oui. Oh, mais monsieur est intelligent. Ça permet de faire de la flexion avec des Legos. Ouais. Mais ça tient. En fait, ça brise le truc de Lego qui est très carré, tu vois. Là, maintenant, ça crée des formes, des spirales, c'est stylé. Ça ouvre des portes. C'est pas le meilleur truc qu'on ait vu, mais ça ouvre carrément des portes. C'est quoi? Ok, c'est un chargeur. En fait, là, il va créer une base de chargeur à induction pour son téléphone. Ok. Et mais est-ce que sa base de chargeur, elle va être stylée? Donc là, il montre que ça tient. Il rajoute des petits détails pour quand même que ça ait un peu d'âme, tu vois, que ce soit pas full black non plus. Qu'est-ce qu'il fout? Attendez, mais je crois qu'il va un peu plus loin que ça, hein. Ah, mais oui, il a créé une salle d'arcade. Donc là, tu mets par exemple ton Apple Watch. Ah, c'est stylé, hein. Mais du coup, ça marche que pour l'Apple Watch ou ça marche aussi pour l'iPhone? Vraie question. Ok, là, c'est une palette de couleurs. Tu sais, il n'y a pas besoin que ce soit stylé pour être joli. Tu vois ce que je veux dire? On dirait des petits crayons. C'est des crayons! C'est trop kawaii! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Je crois qu'il construit une ville, mais tu sais, en format mini-miniature. Je sais pas si t'as capté. Ouais, c'est ça, il construit une sorte de méga grande ville. Après, faut un peu interpréter ce qu'il fait, hein. Ah, quoique. Ah, mais non, mais c'est le mec qui construit des voitures en Lego de tout à l'heure! Ah! Mais ça ressemble à une ville, mentez pas. Ah, ouais, du coup, ça fait 50% dessin, 50% Lego. Mais vous avez pas trop envie de gratter comme si c'était une croûte? Moi, je mange mes croûtes, hein. Ah, ouais. Mais le gars, c'est un artiste du Lego Game. Son métier, c'est de jouer au Lego. Il est trop fort.
Je suis désolé, t'as réussi ta vie, hein. C'est quoi ça? Oh oui, ça j'ai vu! Ça aussi, faut que je vous en parle. En gros, il y a des boîtes qui permettent de faire des Legos de vous. C'est-à-dire, t'envoies ta photo, tu vois, et tu fais des Legos. Et eux, par exemple, vu qu'ils se sont mariés, ils ont fait eux en Lego à leur mariage. C'est le truc le plus mignon. Je jure que si ma femme, c'est vraiment ma femme, bah j'espère d'ailleurs, parce que sinon ça veut dire que je me suis fait tromper, alors que c'est même pas encore arrivé, et bah j'espère qu'on aura un truc comme ça. Hein. C'est le plus grand signe d'amour. Carapuce. Ça, c'est Carapuce ou Tortank. Carapuce. Trop stylé. C'est stylé. C'est... Je peux rien dire, c'est stylé. Oh, il est trop beau gosse, en plus il a fait Tortipousse. J'ai trop envie qu'il fasse un Pokémon de zinzin, genre Mewtwo ou Lugia. Imaginez, il fait Rayquaza, le nombre de briques. Ah ouais, il a même fait Salamèche. Salamèche, il me ressemble, il est tout le temps content pour rien. Ouais. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, ça scanne. Et là, qu'est-ce qu'il va créer? Ok, il chope de 3 briques, il fait une console. Je vous jure que c'est vraiment cool, les gars. Faites ça, hein, si vous avez des Lego. Ça, c'est pour briser la neige. Tu mets ça devant tes crocs et tu peux sortir. C'est vraiment un truc de gamin. Ok, on repart sur l'imprimante 3D. Je crois, si je dis pas de dinguerie, il est en train de faire un squelette. Hein. Mais je suis pas trop sûr non plus. Mais ça ressemble au build... Ouais, c'est carrément un build squelette en vrai. Hâte de voir si ça a marché. Ça a l'air tellement satisfaisant. Mais moi, j'ai pas de pote stylé qui fait ce genre de truc. Ok, là, il fait la tête. Et il a un... Ouais, il est énorme! Si on prend en compte qu'il a un siège Secret Lab, exactement comme moi, ça veut dire qu'il est à peu près grand comme ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, il m'arrive aux tétés! Il m'arrive aux tétons! Et j'ai les tétons hauts! Je le veux, je l'achète. 300 euros, je l'achète. C'est quoi, ça? Oh non, ça, c'est une maison connue, non? C'est quoi, c'est la maison des Simpsons? Je sais pas. Oh, il y a un piano! Je sais pas si c'est une maison d'un dessin animé connu, et juste, je suis nul. Ou c'est une création originale? Je suis pas sûr. Ça me dit un truc, pas vous? Ça pourrait être une maison d'un dessin animé. Oh, il a une chambre gaming! Panneau solaire. Ah ouais. La maison, elle tue, je la veux dans la vraie vie. Hein. Avouez, une maison comme ça, c'est un banger, frère. Il y a même un garage. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais pas, c'est... Mec, en vrai, moi, vends-moi des maisons en Lego, je suis content déjà. Mes parents m'ont dit d'investir dans l'immobilier, ils ont pas précisé lequel. Toute cette vidéo, c'était trop bien. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le big pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour rejoindre la communauté des gazos de Côte d'Azur. Et me suivre sur Instagram, Rayton-du-Bagecté. On se retrouve demain pour de prochaines aventures, c'était Rayton. Ciao!